de rendre grâce au Dieu Tout-Puissant qui rend possible la matérialisation de ses rêves. Mesdames et messieurs, chers invités à vos qualités et titres respectifs, votre présence dans cette salle est un témoignage éloquent de votre attachement sans faille au bien-être de Bakongo. En effet, nous voulons rendre au Né-Congo le goût de l'avenir et la fierté de ce que nous sommes réellement, pour que tous les Congolais soient attentifs à notre voix. Par là, nous rendons hommage au prophète Simon Kimbangu, qui n'a pas vécu aussi longtemps que la plupart d'entre nous, aussi qui n'a pas eu l'opportunité de fréquenter de grandes facultés de théologie, mais qui a œuvré pour la valorisation non seulement des Congolais, mais aussi des Noirs à travers le monde. À cet effet, que son leadership nous serve de motivation pour ne pas vivre seulement pour nous, mais pour le bonheur des générations futures. De plus, nous ne nous battons pas seulement pour nos intérêts, mais surtout pour le bien-être des générations à venir, afin de construire un monde que notre jeunesse mérite. Mesdames et messieurs, chers invités à vos qualités et titres respectifs, aujourd'hui, le temps est venu pour le Congo central de se hisser à la hauteur des ambitions du moment. En effet, la mission de Bakongo parmi les 500 tribus de la République démocratique du Congo est imminente et nous devons à cet effet prendre toutes nos responsabilités pour contribuer au développement de ces grands pays. Pour y parvenir, nous avons aujourd'hui la dynamique Congo. En effet, la dynamique Congo est une association sans but lucratif qui a la mission de repositionner l'élite Congo dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo d'ici 2050 par la promotion des valeurs endogènes Congo et la vision d'être la référence pour la promotion de cette élite d'ici 2050. Pour y parvenir, notre association va s'appuyer sur la transparence, l'intégrité, la solidarité, l'empathie, la participation, le respect mutuel, la responsabilité et la redevabilité comme valeurs fondamentales. Aussi, pour réussir notre mission, nous allons sérieusement nous investir dans ces 5 domaines opérationnels: la formation, l'implantation, la collaboration, le développement, la promotion et le plaidoyer. Mesdames et messieurs, chers invités, à vos qualités et titres respectifs, si pour la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant a fait briller l'étoile en vue de faire parvenir le message aux mages, la dynamique Congo aussi a un flyer. Ce flyer a la particularité de présenter deux symboles historiques, le pont maréchal et la photo du prophète Simon Kimbangu. Pour conclure, tel un oiseau continue de voler parce qu'il a des ailes, même lorsque la branche d'arbre sur laquelle il est assis est coupée, le Mukongo de demain va s'épanouir quelles que soient les circonstances et les temps, parce qu'il sera compétent, serein et sérieux. Mesdames et messieurs, chers invités à vos qualités et titres respectifs, quant à ce qui me concerne, je vous rassure que je me mets au travail dès ce soir. Que Dieu bénisse la dynamique pour nous. Je vous remercie. La naissance de la dynamique Congo et je déclare ouvert la dynamique Congo en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, la dynamique Congo met à la disposition de son coordonnateur des outils. Les premiers sont ceux, les chars qui incarnent le pouvoir.
deuxième outil, c'est la ligne de conduite qui est notre statut. Je vous remercie. Toujours.